Bienvenue sur la chaîne de la carotte. Aujourd'hui, balade en mode je sais pas où je vais. L'avantage d'avoir été immobilisé un mois, c'est que du coup, je suis sûr que mon entretien il est à jour, quoi. Ah, ça fait tellement bien de rouler un peu. Pas vite, pas fort, mais un peu quoi. Tiens, on va partir direction pique-nique douille, c'est toi l'andouille. Et bah direction direction Chaveuil du coup, tiens. Allez. Ah. Un rond-point. Trois petits cochons pendus au plafond, tirez-lui la queue, il pondra des œufs. Combien en voulez-vous? 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Direction Chambéry-Grenoble. Bon. Bon, va aller par là. Parce que par là, ça a l'air sympa. Et ça va changer un peu du par là. À ceux qui se demandent comment j'organise mes balades, ben voilà, c'est comme ça que je fais. T'es passé par où? Je sais pas, parce que j'ai même pas relevé le nom du bled. En montant la vidéo, j'aurai l'occasion de voir. C'était tout dur. Comme ma bite. Voilà, ça c'est fait. Humour de bof, check. Ah, le truc. C'est la route, mais sur trois étages. Oh putain. Alors, il y a un peu de vent. Ça s'appelle un peu sa mère. Mais bon. Et là, par là, c'est un chemin de rando. Tout droit, là. Tu prends là. Hop, tu serpentes. Et ça va jusque là-haut. Et quand t'arrives en bas, là, tu te dis, oh putain. Et tu grimpes jusqu'au-dessus de la falaise, là. Si t'es motivé, tu peux partir par là, mais il n'y a pas de chemin. Alors. Regarde. On était là-haut, là. On est descendu, là. Pour arriver juste là, tu vois. Et là. Le petit chemin, là. Le petit chemin, là, qui grimpe, là, comme ça. Il est génial à faire en cross. Ah oui, forcément. Tu vois la route là, celle qui serpente comme ça. Hop, ensuite elle revient là, elle remonte, elle revient là. Et elle part là-bas au fond. Ouais. Bah, juste dans le virage, dans le S inversé là. Juste au bout là, t'as un putain de terrain de terre là. T'as un putain de chemin de terre qui va là, qui redescend et qui suit le. Et qui suit le fleur de montagne. Et ça là, il suit plus ou moins la route en contrebas. Tu te vois un peu là-bas aussi. Il suit la route un peu en contrebas. Et t'as 19 km de chemin de rando quasi ininterrompu. T'as des petits redéparts qui retournent vers la route, mais t'as plein de chemins de rando qui suivent là, qui suivent juste là-dessous. T'as un chemin de rando qui part là-bas et qui suit sous les falaises, juste là, là. Et bien sûr, le chemin de rando qu'on a vu tout à l'heure, il t'amène là-haut, là, juste là, là.
Et t'as une vue, mon gars, de là-haut. T'as une vue de là-haut. Oh, c'est magnifique. Ici, t'es emmerdé par les arbres et tout. Et de là-haut, là, de la pointe, là, tu vois jusqu'à super loin. Et toute la vallée, tu vois là-haut, tu vois partout. Un bien bel endroit, moi je te le dis. Ah oui, non, toujours pas. Le truc, tu vois, petite eau de source, et il y a tellement de flotte que ça déborde. Là, tu vois qu'il a neigé. Tu vois qu'il y a de la neige là-haut. Je vais pas être emmerdé, moi je te le dis. Je vais pas être emmerdé par la chaleur. Hein. Oh la vache. J'avais peur de transpirer. C'est pas pour aujourd'hui. C'est pas pour aujourd'hui, putain. Avec elle, vous pouvez vous geler les couilles. Un petit peu, ouais. Un petit peu. Ben, en short aussi, ça doit être pas mal. Ça va. Mais bon. Si on s'arrête dès qu'il commence à faire un peu froid, on roule jamais. C'est ça. C'est ça? Tant qu'il n'y a pas 20 cm de neige, on en profite.